Pour commencer, direction Fuzhou, chef-lieu de la province du Fujian dans le sud-est de la Chine, où se tient une exposition de l'art de la laque. Plus de 180 artistes provenant de toute la Chine ainsi que de 8 autres pays et régions, dont l'Allemagne, la France et les États-Unis, y sont représentés. Près de 300 œuvres d'art en laque, dont 50 réalisées par 47 artistes étrangers, y sont exposées. Connue à travers le monde entier comme étant un trésor oriental, la laque produite à Fuzhou est une beauté artistique qui représente les traditions folkloriques locales uniques de la région. La ville est devenue une sorte de capitale de la laque, jouant un rôle important dans le développement de cette forme d'art à travers le monde. Lancée en 2006, la Biennale a pour objectif de soutenir le développement de l'art traditionnel à l'ère moderne et d'accroître la pollinisation croisée des idées entre les artistes locaux et étrangers. Cette année, l'exposition se déroulera jusqu'au 17 février prochain.